La Cour observe en outre que, en ce qui concerne ces politiques et pratiques visées dans la question A, qui ont été jugées illicites, Israël est dans l'obligation de mettre un terme à ces faits illicites. À cet égard, il doit immédiatement cesser toute nouvelle activité de colonisation. Israël est également tenu d'abroger toute loi et mesure créant ou maintenant la situation illicite, y compris celles qui sont discriminatoires à l'égard du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, ainsi que toute mesure destinée à modifier la composition démographique de quelques parties de ce territoire. Israël a également l'obligation de réparer intégralement les dommages causés par ces faits internationalement illicites à toutes les personnes physiques ou morales concernées.